merci à la consommatrice qui nous ont écouté la vision. Je suis allé à Oumakoussoumaï. 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 Je suis allé à Dynamique catch pour le développement. Il y a tout à l'heure pour le bénéfice de nos salles d'entraînement. Bonjour. Nous avons formé tout à l'heure le samedi. Nous avons fait un travail dans le travail, dans le souffle, dans le casse condu. Donc, on a ça là. C'est le troisième combat de la soirée, très chers amis sportifs, avec l'arbitre Moulé Moulé. Là, nous avons affaire à un grand combat de la soirée. D'un côté, nous voyons Tigre Kabedi qui avance petit à petit avec la croix rouge. Là, nous voyons Tigre Kabedi. Là, nous voyons Kabedi Wani qui est accompagné par une foule magique invisible, parce que nous voyons la croix c'est une foule de monde des ténèbres, mais suffisamment, il a 5 quatrièmes derrière lui, Tigre Kabedi. Nous voyons Tchanzakoumwele, nous voyons aussi le quatrième Bifle Mukishi. Là, c'est la croix rouge de Tigre Kabedi qui avance petit à petit, l'homme en boîte blanc. Oui, il est habillé en boîte blanche, il avance petit à petit à la masse. Là, nous voyons ce Tigre Kabedi Wani qui doit livrer son combat, le troisième combat de la soirée. Ah, José, nous vous saluons, le grand réalisateur, sans oublier Victor Chipata. Là, nous allons assister à un grand combat. Et pour la réalisation, Victor Chipata, on est prêt. Là, nous voyons l'entrée de Tigre Kabedi. Après, nous voyons la croix qui est très bien tenue. La croix rouge du Tigre Kabedi. D'un côté, c'est le contrôle. Là, c'est le contrôle physique qu'on doit contrôler Tigre Kabedi par l'arbitre Moulé Moulé. Là, le sifflet fait appel à son adversaire pour le troisième combat de cette soirée. Très chers amis sportifs, on a affaire à un grand combat de la soirée. Là, nous voyons le leader Tigre Kabedi et nous faisons allusion à la perte de l'éléphant. Ah, nous avons souvenir à l'éléphant Zevou Amibamou qui n'est pas encore vivant. Vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, partout où vous nous suivez, à Kananga. Nous vous remercions en Mbujimayi. Nous remercions tous qui nous suivent ici en Afrique. Là, sur le catch, à l'aspect de la négritude, vous nous suivez partout. Vous nous suivez en Sénégal, à Dakar, vous nous suivez en Abidjan, vous nous suivez à Ouagadougou, vous nous suivez partout en Afrique, à Botswana, à Luanda, à Pointe-Noire, vous nous suivez à Pointe-Noire, à Kourou-Braza. Merci, nous vous remercions. Là, nous voyons l'arrivée du deuxième quatrième, son adversaire. D'un côté, c'est Tigre Kabedi avec les cris de Oué, appuyé par son public. Là, c'est l'arbitre Moulé Moulé pour la présentation de ce décatia. Et la présentation doit se faire de manière un peu rapide pour gagner le temps, surtout c'est le troisième combat de la soirée. Thank you.
Et nous voyons d'un côté aussi la croix de Tigre Kabedi avec son équipe d'appui. C'est la croix de Golgotha. Exactement, exactement. La croix de Golgotha, de l'ancien catcheur Poso Baba Aka, le feu Poso Baba Aka de Mbujimayi. Là, c'est le troisième combat de la soirée. Qui oppose? Nous avons Tigre Kabedi, l'arbitre Moulé Moulé. Nous avons la catchère Mildemo à la gauche, à la droite, voulais-je dire. Et à la droite, nous avons Mildemo. À gauche, l'arbitre. À gauche. Et nous avons la catchère. Exactement, nous avons Tigre Kabedi. Là, c'est la musique. Quelle ambiance. Quelle apogée après la présentation de deux quartiers. Là, nous voyons la musique. On continue à jouer au fanfare pour appuyer Tigre Kabedi. Là, c'est le coup d'envoi de l'arbitre Moulé Moulé. Mes chers amis sportifs, c'est parti entre ce troisième combat de la soirée. Chris José, là, nous allons assister à des spectacles aujourd'hui. C'est le premier coup. Oui, c'est un coup. Un coup bien maîtrisé. Et il s'appuie à la corde pour demander ses coups. Mille diamants. Là, c'est le deuxième combat. Là, nous voyons le quartier Mille Démons qui fait affrontement face à l'arbitre. Moulé Moulé. Et surtout, c'est pas bien ordonné. Là, nous saluons le président de Founi. Pourquoi pas aussi le vice-président Franck Dombo. Et aussi les secrétaires Arthur qui sont tous à Kinshasa. Là, madame, messieurs, nous sommes ici à Mbujimayi. Le président, ce sont eux qui font la force du catch congolais. Sans oublier qu'on le contrôle Chaco. C'est le colonel Chaco. Ah oui. C'est le colonel Chaco qui sont là. Là, c'est Tigre Kabedi qui reçoit un coup de tête. Regardez, une projection. Là, c'est la projection. Une souplexe. Finalement par terre. Finalement par terre. Là, c'est une projection de nouveau avec Tigre Kabedi. Là, c'est les efforts de Mille Démons. Et Mille Démons qui applique sa technique. Là, c'est Tigre Kabedi qui essaie de résister. Là, c'est la technique de Mille Démons. Oui, Mille Démons souffre Tigre Kabedi jusqu'ici. Là, c'est la récupération de Tigre Kabedi. Tigre Kabedi, là, on s'attend à un coup de machette. Il est du catcher club dynamique indépendant. Tigre Kabedi Wani. Il a eu à livrer plusieurs combats à Kinshasa. Et pourquoi pas ici à Mbujimayi, Chris José. Là, nous voyons Tigre Kabedi qui est plus évident et on fait recours à Elephants et vous. Et surtout, il n'est pas vivant. Là, on doit envoyer Tigre Kabedi vers une statuette, un tissu rouge. Oui, oui, c'est une statuette de Kabeya Kamonga. Ils viennent fraîchement de Kabeya Kamonga. C'est Tigre Kabedi. Kabedi Wani, où est? Il là, est là. Là, c'est la magie qui commence. Oui, c'est la superstition. Amis sportifs, c'est Tigre Kabedi. Tigre Kabedi. Il part petit à petit. Là, c'est le cri d'appui de Houé à presque tous les stades. Là, c'est la résistance. Il après les cris de Houé, c'est la résistance. Après les cris de Houé, il doit revenir en force. Le retour triomphal. Retour en force, retour triomphal. Le retour en force de Houé Tigre Kabedi. Retour en force, retour triomphal. Là, nous voyons le ramassement du portefeuille magique. Là, c'est le débrouillage, les déverrouillages magiques. Là, c'est la superstition. Oui, Tigre Kabedi de retour sur la statuette de Kabeya Kamwanga. Là, nous voyons la présence du catcheur Isaac. Isaac de Kabeya Kamwanga, il est là en train de contrôler son coéquipier. Là, c'est Tigre Kabedi, il maîtrise bien.
et l'homme à la culotte Kings qui résiste dans cette soirée. Là, c'est Mille Démons qui est envoyé à la cour de Golgotha. C'est parti. Oui, oui, il est envoyé. C'est parti à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, il y a le quartier Sirène de Fujimaï. Il y a Shaolin. Il y a Tsarza Koumoué là, c'est le pas.